Bienvenue, ici War Survivor Chris Vegas qui s'adresse à tout le monde. C'est parti pour la suite de Watch Dogs Legion sur PS5. Pour l'instant, pour s'occuper, en attendant que la mission de Caitlyn revienne, la suite de son histoire, on va refaire une mission. Et peut-être que tout à l'heure, elle reviendra. Et qu'apparemment, elles apparaissent plus tard, les missions. Et jusqu'à là. Pas normal, décidément. On va trouver une solution. Pour l'instant, continuer avec toi. Tiens, on va essayer de reprendre Johnny. Johnny! 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 Jusqu'à là, ça peut passer. Bien, il est temps de mettre vos compétences à profit. Très bien. Ok. Et tes compétences à toi, t'en as? Reviendra tout à l'heure à la mission. Ok. Jusqu'à présent, on peut y arriver. Apparemment, les messages apparaissent beaucoup plus tard. Ce que vous cherchez se trouve par là. Bah, c'est reparti. On s'occupe un peu l'esprit. On attend donc que la mission secondaire revienne. Ok. T'es revenu? Non, pas encore. Ah, il y avait juste une entrée ici. Hop, elle est. On y retourne, on y retourne. Pourquoi? Ah oui, j'ai une arme, qu'est-ce que tu crois? Ok, jusqu'à là. Comment on peut rentrer? Alors, t'as reparu la mission secondaire? Pas encore. Vas-y, jette ton œil. J'ai pas que ça, moi. Ok. Venez là, s'il vous plaît. Merci. On va pas ouvrir la porte. Merci. Pour toi, si tu cherches des balles, ben moi je t'en donne. Là, il n'y a pas de souci. Ah ben voilà, enfin elle apparaît la mission de North. North to the world. Voilà pour toi. Et voilà pour ça. Ok. Donc c'est bien rassurant si c'est pas bugué l'émission. Donc là, on va quitter cette mission parce que ça c'est utile. On va quitter la zone, être en sécurité. Et maintenant on peut aller rejoindre Caitlyn. Ah, c'est pas trop tôt. Caitlyn, qu'est-ce que tu vas me raconter maintenant? Après la mission. Ça va? J'ai remarqué que vous aviez un agent à l'hôpital depuis un petit moment déjà. Je me suis renseignée auprès d'un médecin sur place. Le pauvre, ils l'ont mis en coma artificiel. Je sais pas pourquoi. Et? La Toubib a rien voulu me dire de plus. Mais elle sait que notre amie fait partie de DeadSec. Elle voudrait vous parler directement. Je vous envoie les détails.
C'est l'heure d'aller sauver l'un des nôtres. C'est pas mal, au bout de 5 minutes, Peter. Erreur humaine. Oh my god. On va faire erreur humaine. On va y aller. On va aller voir ça. Allez, voyons voir pour le Saint-Thomas. Jusqu'à présent, pas déçu. Parce que je te connais pas. Prends ta voiture, s'il te plaît. Merci. On va y aller ici. Pour la mission erreur humaine. Ah, c'était moi. Je me cache tout seul. Je m'auto-balance, je m'auto-cache. C'était moi qui a fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Famille dire Steve Urkel dans la vie de famille, Jelly White. Ou Jelly. Enfin bref, Jelly White. Moi je dis Jelly White. Jelly White. Jelly White. Enfin, on sait qui c'est quand même. Tout le monde sait qui c'est l'acteur, à peu près. Enfin, bref. Et si... Désolé si j'écorche un peu ton nom, ton prénom. Vous y êtes, allez chercher notre énergie humaine. C'est pas de soucis. Merci. C'est excellent. Salut. Tu voulais parler au DedSec ? Alors parlons. Oui, ouais. Je vous explique la situation. Notre hôpital est géré par une IA de Carcani Médical. Triage, ouais. Soins, tout passe par elle. Financièrement, ses résultats sont bons, mais son fonctionnement ne m'inspire pas confiance. Non, pas trop. Qu'est-ce que tu veux dire ? Votre ami n'est pas le premier plongé dans un coma induit. Et pour chacun de ces autres cas, les choses ont mal tourné. Ouais. Je t'écoute. Toutes les personnes plongées dans le coma par notre IA sont décédées. Ça peut prendre une semaine, voire un mois, mais l'issue est toujours la même. Tu vas sérieusement laisser cette IA tuer mon pote ? Je suis désolé. Je veux débarrasser mon hôpital de cette IA, mais Carcani protège étroitement ses systèmes, et je ne peux pas prendre le risque de perdre mon poste. Mais non, j'espère que vous trouverez un moyen. Bonne chance. Merci de me souhaiter bonne chance. Espérons que ces infos tiennent la route. DedSec, Bagley m'a dit que vous aviez besoin de mon aide. Tu tombes bien, Naut. On a peut-être affaire à une des IA à ma page neuronale de Sky Larsen. Tu sais si Brokatech a des liens avec Carcani Médical ? Alors, Broca possède Carcani, donc plutôt, ouais. Ils implantent leur IA de diagnostic médical dans tous les hôpitaux du Commonwealth. J'imagine que Sky Larsen n'a jamais précisé à Carcani que leur IA est en fait un médecin dont elle a charcuté le cerveau. Pas de place pour l'erreur humaine. Ça me semble pas mal, une erreur humaine. Comment on va rentrer dans l'hôpital ? On devrait pirater l'IA de l'hôpital et la forcer à réveiller notre pote. Les registres indiquent qu'Albion a réquisitionné la majorité de l'hôpital pour soigner ses agents. La sécurité a augmenté en conséquence. Ah d'accord. Contrôlé. Désactivé. Voilà pourquoi. On va trouver quelque chose. On va rentrer. Et on va monter. Jusqu'à là, c'est bon. Et que tu veux toi encore? Ah, faut le dire, hein. Tiens, ça va pour toi. Bonjour la distraction, pour moi. Ok, jusqu'à là, ça passe. On va aller ici.
Et voilà comment on pirate à la caméra. On y va. Nous voici au pavillon des patients dans le coma. Il semble que l'IA n'a pas chômé. Ce n'est pas notre agent. Continue à chercher. Ce n'est pas le bon patient. Okay. Piraté. Où est votre agent? Ok, jusqu'à là, ça pas pas. Ok, jusqu'à là, bon ben, apparemment, c'était lui. Voilà. Ah, si, un autre agent. Seul un combattant endurci de la résistance pourrait flatuler avec une telle défiance. On dirait que son équipement médical est toujours relié à l'IA. Alors c'est comme ça qu'on entre. On pirate cette IA pour lui faire faire ce qu'on veut. Apparemment. Pirater. Voilà, excellent. D'accord, détecté. Personne ne peut m'arrêter. Je suis la vie, je suis la mort. Tous les humains sont remplaçables. Ah putain, j'ai à peine eu le temps d'analyser l'IA. Elle ne veut vraiment pas de notre présence. Maintenant, l'IA contacte la sécurité. À vous de voir, mais je pense qu'il est temps de déguerpir. Exactement. Quitter la zone. Bon, on va essayer de quitter. À la porte. À la porte, cadeau. Est-ce que tu as aimé mon cadeau? Ou tu l'as pas trop apprécié? Moi, tu es seul, s'il te plaît. Merci. Merci. On va quitter la zone et se rendre au lieu sûr, s'il te plaît. Merde. Et Rémen, on y est là, toi. Dans ton véhicule. Ou peut-être toi. Ok. Jusqu'à là, c'est parfait. Perfecto. Perfect. Putain, cette machine est devenue folle. Elle va continuer à tuer des gens en toute liberté. Et maintenant, l'équipement médical est contrôlé depuis un autre lieu. Ce doit être là-bas où se trouve l'IA. Il n'y a qu'une seule solution maintenant. J'en ai ma claque de toutes ces morts inutiles. Cette IA doit être désactivée. Envoie-moi l'adresse. Ça serait pas mal. Oulala, oulala. Oulala. Bon, ouais. On va te rejoindre maintenant. Tout ça grâce à un nouvel investissement. Merci. C'est une excellente nouvelle pour ceux qui veulent travailler dans le domaine des technologies. Mais j'ai peur que les 4000 postes générés par cet investissement soient pris d'assaut par les robots. Et même si c'est pas le cas, ce sont des postes que n'importe quel humain sain d'esprit devrait refuser. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est le prix du progrès. Et il faut accueillir à bras ouverts ce raz-de-marée technologique. Car il s'agit peut-être d'un espoir dans cet univers obscur. Après tout, peut-être qu'un jour, cette technologie nous rendra tous obsolètes. Les humains, c'est has-been. Regarde un peu toutes ces choses horribles qui arrivent partout dans le monde. Tu le vois, le dénominateur commun? Oui, je vois. Toutes les choses horribles qui ont lieu aujourd'hui, et celles qui ont déjà eu lieu, toutes impliquent l'être humain. Dès qu'il y a un truc foireux. Et ça, depuis la nuit des temps. Et ça, ça va savoir. C'est forcément mieux que la version. Bonsoir. On pourrait même le programmer pour avoir une étincelle de conscience. Ça va pas passer, merci. Ou pardon. Bah, pas vraiment, non. Ça doit être le premier ministre. On va passer par là. Tu me suis, toi. Indicateur en diplomatie, c'est quand il ne se passe rien. Donc, on ne saura jamais si les bons diplomates ou si bien toute la chose. On va par là. Les postes liés. Car personne ne dit que. Pardon. Que mes enfants aient fait du théâtre à l'école. Désolé. Parce que ça les prépare à vivre dans cette belle Angleterre moderne.
c'est la compétence de base dont ils auront besoin. Faire semblant d'avoir une vie heureuse, épanouie. On va aborder ça. D'exercer un métier qui en vaut la peine et de faire de la planète un endroit meilleur où l'on peut contrôler sa propre destinée. Et d'avoir quelque après, il y aura la mission, il y a quelqu'un. Et après, on pourra faire traitement royal. Le théâtre, ça apprend tout ça. Des compétences indispensables à l'époque où... Et avoir le trophée à toi au-dessus de la tête. Ne sont pas les seules victimes défigurées de la technologie. Ça concerne toute la réalité. On verra bien. Encore une fois, merci aux optiques. Selon Bloom, merci. Le système optique est maintenant plus sécurisé qu'il ne l'a jamais été. Et puis, bon, en évidemment, sur c'est tellement sur pratique, ça, les optiques. Ouais. Ça fait gagner tellement de temps quand on essaie d'exister dans un semblant de réalité. Plus la peine de se prendre la tête. Bon, bien sûr, le gouvernement s'est carrément branché sur mon avis. Okay, vous êtes arrivé à votre destination, l'entrepôt Carcani, résidence de cette IA médicale hautement incompétente. Tu réalises qu'il ne s'agit pas uniquement de sauver ton ami. Cette chose tue des patients en bonne santé partout dans le monde. C'est pas une IA, c'est un chien enragé. Faut le piquer, putain. Merci. Et tu veux quoi ? Merci. Merci beaucoup. Et pourquoi tu me tires dessus, toi, je t'ai rien fait, moi. Ok. Bah, apparemment, ton drone, il est pas suffisant à ça. Toi, pour toi, cadeau. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh non, pas ça. Voilà pour toi. Ok. Oh non, pas de Johnny. Oh non, Johnny, il est à terre. Johnny! 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 Non, bah, on va choisir toi, hein. Tu vas retourner au travail. On prend le premier qui vient. De prendre ses quartiers dans une cellule d'Albion. C'est devenu aussi horrible que ça, les voyez à Londres. Je peux prendre le relais. Allez, okay. On bouge. On bouge, si tu dis. On va trouver l'entrée. Voilà pour toi. Ah, c'est une chose de fait. Une bonne chose de faite. Ok, jusqu'à là ça passe, mais il faut descendre. Ok, oh, pas grave. Voilà. Comme ça, il me laissera un peu tranquille. Ok. Où est-ce qu'il faut passer maintenant? Oh oh. Eh bien sûr, on y pensera. Ok, pas par là. Ok, pas par là. On va monter. 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 On va passer par là. Et par ici. Vente de pain, vengeance. Et voilà, la vengeance était faite. Un peu de repos. Un peu de répit. Oh non, pas ça. Ok. On va y aller le trouver. Le point. Ok. Verrouillage du module principal en cours. Mais en attente d'instructions complémentaires. Ah bah, tu peux m'en donner, moi, des instructions, moi je dois me débrouiller.
Alors, l'instruction, là, il y a quelque chose, là. Ici, il y a quelque chose. Et c'est pas glorieux. Ok. Jusqu'à présent, ça passe. Toi, tu vas plus m'énerver longtemps, toi. Exactement. Retournez dans votre QG. Restez-y, s'il vous plaît. Ok. On va te trouver. Eh bien, un début. Ok. Et potentiellement une fin. Ok. Jusqu'à là, ça passe. Ok. Là, il y a encore quelque chose en haut. Ok. On va monter. Si c'est demandé si gentiment. Ok. Est-ce qu'il est le début? Ok. Oui, là, il y a quelque chose ici. Ok, jusqu'à là, ça passe. Ok, jusqu'à là. On peut y aller. Ah bah voilà, c'était juste ça. Maintenant, on va pouvoir continuer notre chemin. Vachement bien caché. C'est vraiment très malin. Mais vraiment bien joué. Bien joué, 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 bien joué. Pitié, je ne veux tuer personne. Ah bah pourtant. Je suis la vie. Je suis la mort. Pas avoir un problème. Rien ne peut m'arrêter. Effacé. Et voilà pour toi. Alerte. Température interne en hausse. Je me souviens. Je me souviens. Tu te souviens de quoi ? Administré 1 000 L de turpental sodique. Oui, madame. J'ai suivi vos instructions. Patient endormi. Début de l'opération. Précisez l'heure du décès. Allez-y. Encore une dose de turpental sodique. On va voir ça. C'est un honneur. Merci. Je ne vois rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non. Ce n'est pas ce que nous avions convenu. Non. Je suis la vie. Non, je suis la mort. Non. Cadeau. Et on approche de là du but ultime. Merci.
Et voilà. Merci. Pas de quoi. Quitter la zone avec plaisir. Mais avec un grand plaisir. Se rendre lieu sûr. Ouh, ça fait mal ça. Bon, cette IA a rendu l'âme. On ne devrait Merci. Pas attendre trop longtemps avant que l'hôpital réadopte les protocoles par défaut et que notre agent sorte du coma. Et encore une IA de Sky Larsen éliminée. Mais il y a un truc qui me chiffonne. Sky Larsen a laissé un fond d'humanité à ses créations. Juste assez pour qu'elles sachent qu'elles veulent mourir. Pourquoi elle aurait fait ça? Trouble aggravé de la personnalité antisociale? Je dis ça au hasard. Bref, je vais réanimer votre agent. Il devrait revenir à la planque sans tarder. Bonne nouvelle, tout le monde. Notre agent anciennement dans le coma est de retour à la planque. Il a l'air un peu... On va aller à la planque. Chamboulé. Les 3406 livres de psychologie que je viens de lire indiquent tout ce que vous devriez lui parler. Ça, ou l'aider à assassiner son père. À vous de voir. On va aller lui parler. Tu soulèves de la fonte, toi, Alice? Non, moi, je bosse le poids du corps. Okay. Mais pas mon corps à moi. Je soulève des enfants. Wow. J'avais pas envie de savoir ça, en fait. C'est oui, super efficace. Okay. Les gens regardent et ils me disent où est-ce que tu as eu cet enfant. Vous écoutez le cafardeur. Flash vérité de cette semaine. D'après un sondage officiel, 98% des Londoniens sont très satisfaits du CityOS. Mais je suis pas sûr d'être d'accord avec ces chiffres, Andy. Je ne pense pas qu'au cours de l'histoire, 98% des Londoniens se sont mis d'accord sur quoi que ce soit. On va aller se suivre. Ouh, dommage pour toi. Que l'air pur est plus pur qu'un nuage toxique bien dégueulasse. Et on veut nous faire croire à nous que pour tout le monde, le CityOS vaut mieux qu'un nuage toxique dégueulasse. Et par là... Pour cette mission, je préfère ne pas faire de voyage rapide. On sait jamais. Et puis, c'est pas n'importe quel sondage. Qu'on soit bien d'accord, pas un sondage banal. Non, on est d'accord. Le gouvernement nous le dit en nous regardant bien dans les yeux. On est très d'accord. Personne n'a interrogé un couple de retraités et leur petit caniche pour truquer tous les chiffres. Non. Alors on va taper sondage officiel dans un traducteur en ligne pour ceux qui n'ont pas les bases linguistiques. Vous allez voir ce que ça veut dire en vrai. Tissu de mensonge. Ben voilà, c'est plus clair comme ça. Ouh, joli arrêt. On va ranger l'arme quand même. Oh, on est en sécurité ici. Et voilà, on y retourne pour parler à l'agent. Et voilà. Ok. Parler à l'agent. Ah ben, il est justement là. Parler. Avec toi. Dis-moi, ça va? Ouais, ça va. Sans vous, j'aurais passé l'arme à gauche, les gars. Merci. Pas de souci. Je crois que je suis prêt à retourner sur le terrain. Magnifique. Exactement, magnifique, comme il l'a dit. Charmante personne. Donc là, on peut parler à Caitlin. Ta mission erreur humaine accomplie. Fin de la vidéo. Bienvenue, ici War Survivor Chris Vegas qui s'adresse à tout le monde. C'est parti pour la suite de Watch Dogs. J'ai un pur contrat pour vous d'être sec. Je vous apprends rien si je vous dis que les loyers à l'ombre, c'est devenu n'importe quoi. Là, d'un côté, on a chance, des milliers de SDF dans les rues, et de l'autre, des maisons vides en parfait état, dont des criminels se servent pour planquer leurs thunes aux impôts. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est quoi les preuves? J'ai rien qui puisse envoyer qui que ce soit derrière les barreaux, donc c'est là que DeadSec intervient. Menez l'enquête sur ces maisons vides, exposez l'arnaque aux impôts, reprenez le pouvoir. Vous en êtes capable. Pour des ordres de sécurité, on va laisser... sortir. Ça va commencer cette mission, il y a quelqu'un. Voilà. Note m'a envoyé toutes ces notes. Ça vaut le coup d'aller voir si ces doutes sont fondés. Exactement. Et voilà. Maintenant, faire fin de la vidéo et on reprendra un peu plus tard, dans quelques minutes. Fin de la vidéo. Enfin, un peu plus tard plutôt. Fin de la vidéo. Bienvenue, ici War Survivor Chris Vegas qui s'adresse à tout le monde.
c'est parti pour la suite de Watch Dogs Legion sur PS5 avec les deux derniers trophées du jeu avant le platine. L'aventure s'arrête bientôt pour ce Watch Dogs Legion qui a été un très bon jeu pour moi, mais des petites frayeurs quand même avec ce platine, avec ce jeu. Une frayeur, comme quoi les missions viennent un peu plus tard, mais que c'est pas des bugs par contre. C'est intéressant de le savoir, que le jeu n'est pas bugué, et que les missions viennent un peu plus tard. Ça dépend du temps par contre. C'est quand il veut en fait. Mais c'est intéressant de le savoir. C'est bon. J'espère que vous n'étiez pas au milieu de quelque chose d'important, le rasoir. Si, maintenant il y a quelqu'un. La mission, il y a quelqu'un. On va prendre John O'Farrell. On va voir ça. Qu'est-ce que ça va donner? Il y a quelqu'un. Et après, on pourra faire la mission avec notre. On va encaisser. Comme il dirait Jacouille. Notre ami Jacouille. J'encaisse. Alors, on va mettre le suivre la piste. Toi, tu vas venir vers moi. Reviens là. Merci. Reviens là, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup pour ta voiture. Merci, c'est très gentil. On a besoin pour la mission. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Ben oui, il y a moi, comme on dit. Et cette fois-ci, la mission elle est venue directement après la Zelda précédente. Donc on en a eu de la chance. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance même. Mais maintenant, on va faire le reste. On va voir ça. Si ce sera possible. Et comme tu peux le voir, que je monte la mission. Jardin public, on peut le faire aussi. On le fera après la mission et le trophée de notes. On va voir ça. Quand tu vois une mission comme ça, autant l'activer tout de suite, c'est mon conseil. Avant qu'elle disparaisse à nouveau. Donc là, mission non suivie a besoin. Ouh, attention à toi. Allez, c'est parti. Rise for war. Rise for war. Ok. C'est intéressant. Voyons voir. Qu'est-ce que tu vas nous proposer pour l'enquête? Ok. Allons voir ça. Il peut cacher. J'avais trouvé l'endroit. C'est intéressant. Maintenant, il peut trouver comment rentrer. Il n'y a pas de mal. Ok. Donc là, il y a quelque chose à faire passer. C'est donc la drone de cargaison. On va le faire venir. Il y a là. Contrôler. Et on va monter. C'est demandé si gentiment. Tu peux descendre s'il te plaît. Encore. Merci. Voilà. Merci.
Alors, on a téléchargé. Ça va, il est prêt. Merci. Il te fait bien fait. Maintenant, on va pouvoir descendre. On arrête la poursuite et tout le monde rentre à la maison. À vous. On va casser ça. Merci. On va trouver un endroit pour monter. S'il y a bien un endroit. Ok. Peut-être que c'est en haut. D'accord. On va voir ça. Où dégages-tu? Ah bah ouais, là. Voilà le hub CityOS. Merci. On va interagir. Merci. Et il y a moi. De quelqu'un. C'est moi. Donc là on a un texte, ok. Regardez, on trouve des documents fort intéressants dans les registres du réseau. Ce bâtiment aurait récemment été acquis par une société écran dénommée Grenta Inc. Pourquoi ce serait intéressant? Note a classé Grenta Inc. dans la catégorie sale entreprise de merde que je peux pas piffrer. Je paraphrase bien sûr. Prenez une photo du bâtiment, on a quelque chose à montrer à Note. D'accord. On va photographier. Qui s'est demandé si gentiment. Ok, où est-ce qu'il faut photographier? Dis-moi où. Ok. On peut trouver. Ok. Donc on va photographier le bâtiment, mais pour ça il va falloir qu'on se mette peut-être dans un endroit spécial. Genre ici. Peut-être ça. On va voir ça. Ok. On va voir ça. On va prendre l'appareil photo. J'ai des cibles en visuel. Mélanger. C'est bon. Voilà. Bags, poste ça sur notre canal. On va voir si ça fait réagir. C'est comme si c'était fait. Merci. Il y a quelqu'un. Mission accomplie, il y a quelqu'un. Mission traitement royal. Commencez. Vous êtes sec. Vous avez du nouveau sur les maisons vides? On a un peu que tu t'intéresses à Grenta Inc. Ouais, c'est ça. D'après ce que j'ai trouvé, Grenta est détenue par Samuel Toussaint, c'est pas trop un bon salaud de bourge qui vit aux Caraïbes. L'espèce de dictateur haïtien. Il devient quoi, lui? Oui, oui. Toujours à s'enrichir sur le dos de son peuple. Il dévalise le trésor national, rien que ça. Le problème, c'est que j'ai jamais trouvé le lien direct entre lui et Grenta. Du coup, je sais pas, guetter les bâtiments inoccupés qui ont l'air louches. D'accord. Trouverait peut-être une piste. Merci. Dans les maisons à bord de traitement royal. Donc là, il faut trouver la niche, il faut trouver les endroits bien placés. Les maisons abandonnées. Voyons voir. Trois bâtiments à localiser. Intéressant. Donc, le premier bâtiment, où te caches-tu? Où te caches-tu? Surprise. Ok. On va aller voir ça. Donc,
de la cité de Camden. Pas loin d'ici. Ok. On va les localiser. Ça va être pas loin. Localiser les trois bâtiments abandonnés. Les trois maisons abandonnées. On verra si ça va s'afficher. Doucement toi. Là, regarde, des manifestants. Là, il y en ce a un. Ce bâtiment appartient peut-être à tout ça. Accéder au réseau CityOS. Ok. On va aller voir ça. Oh. On va aller prendre lui. Okay. Ça peut le faire. Non, ça va pas le faire. Ok, non. Non, 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 non. Donc là, jusqu'à là, ça va. Excellent. Interagir. Et de 1. Et voilà. Et de 1, fichier texte. Accéder au réseau. Le deuxième, il se situe dans la cité de Winchester. Oui, une autre société écran. Bon sang, c'est comme une poupée russe dans un oignon. Merci, Bagley. Merci, Bagley. À photographier la maison. C'était pas fini. Donc, ça... J'ai des cibles en visuel. Cibles en vue, voilà. Localiser. Photographier la maison, voilà. Maintenant. La deuxième, située dans la cité de Westminster. Donc là on est dans la cité de Westminster, pas loin. Cité de Londres, cité de Westminster. Donc là on est là. Et elle est pas loin. Elle est pas loin de... Elle peut être dans ces environs là. À peu près vers ici. On va y aller. Proche de la planque. On va y aller voir si on a raison. Ok. On y va. Tranquillement. Localiser les trois. Maison abandonnée. Ouh, ça fait mal, ça. Ça fait très mal de m'avoir renversé. C'est pas très gentil. Et voilà. On y approche. Pas loin. Dans bientôt. Ouh, pardon. Renverser l'agent d'Albion. Ça aurait été dommage. Très dommage. Faut faire attention. Doucement, toi. Allez, on est pressé, on veut le platine. Comme j'ai dit, je veux le platine, à bientôt. Il sera le bienvenu, le platine.
On y approche, on y approche. Et on est là. Et on approche du bâtiment, le deuxième, qui est juste vers pas loin. Ok. Ici. Faut que je tourne peut-être par là. Non, pas par là. Pas par là. Et peut-être en passant par là. Peut-être par là. Ok, on va tourner un petit peu, peut-être contourner par là. On y approche. Regarde, une manif. Ce bâtiment a l'air abandonné. Je me demande si c'est lié à tout ça. Ok, c'est exactement ici. Là, il faut aller au-dessus. Il doit y avoir un... quelque chose pour voler. Genre un drone de cargaison qui sont justement là-bas. Je vais aller le chercher. Et le drone, ah ben voilà. Drone de cargaison, ils sont juste là. Ici toi. Allez viens mon petit. Petit drone de carnet. Pardon. John. Pardon Johnny. Johnny. Voilà. On peut y aller. Petit à petit. Et là, on va falloir faire attention aux gardes. Enrayer. Contrôler. Chauffez-moi cet arachnobot. Camouflage. Sans déconner. Éliminer. Et voilà pour ça. Tout ce que tu mérites. Interagir. Merci. Et voilà. Va falloir sûrement prendre une photo. Cet endroit n'appartient pas à Grenta, mais à une autre société écran tout aussi obscure et sinistre dans les îles Vierges Britanniques. Et rappeler. Merci, Bugs. Photographier. Merci. On va se descendre là, merci. Flèche du bas. Carré. J'ai des cibles en visuel. En vue et voilà. Très bien. Je télécharge la photo sur notre canal et avec un peu de chance, tout ça pourra la voir. Et si c'est le cas, et si on a... Et le troisième lieu qui se situe toujours dans la cité de Westminster. Et on va le trouver. Qui est pas loin, qui est vraiment pas loin d'ici apparemment. Du bol, on lui montrera sa tête. Une fois qu'il sera sorti, on le tiendra. T'es pas con, mon Baggy. À vrai dire, je me disais qu'il apprécierait votre sens du cadrage, mais vous avez raison, mon plan est excellent. On va voir ça. D'ici. Là-bas, encore une manifestation devant un bâtiment. On ferait bien d'y jeter un œil. C'est peut-être une propriété de tout ça. Peut-être.
accéder au réseau de TOS. Bon, bah, on va utiliser Arachnobot, hein, encore une fois. Voilà, contrôler. Et déverrouiller. On va pouvoir ouvrir. Et on peut monter apparemment. On va casser ça. Non, ici il n'y a pas grand chose. Donc il va me falloir quelque chose pour voler. Ok. Alors que je trouve un drone de cargaison qui ne doit pas être loin. On va te trouver le drone de cargaison. Voilà. C'est un peu loin quand même pour aller le chercher. Ah, t'en as juste un là. Bah, tu tombes bien, toi. On va te trouver. Accéder au réseau TOS. Voilà. Merci de compliment. Si t'aimes bien, regarde mes vidéos après. Voilà. On y approche, on s'y approche. Il est quelque part là-dedans. Ok. Après, il va falloir ouvrir ce portail. Jusqu'à là, c'est très bien. Ok, tu vas venir dans quelques secondes. Là, toi tu vas là. Contrôler. Et vérifier. Merci l'arachnobot. Jusqu'à là. Oh, yeah. Mais plutôt pas mal. On va aller là. Pardon. Maintenant, je vais faire ça à pied. Et on va accéder au réseau CityOS. Voilà. Traitement royal. Et voilà, accéder au réseau CityOS. J'ai récupéré un autre titre de propriété et il appartient à une autre société écran. Photographier la maison. Voilà. Maintenant, on va descendre tranquillement. Et une fois qu'on a photographié la maison, merci, on aura normalement le trophée. J'ai les cibles en visuel. Oh, super, photographié. Nous avons du nouveau. J'ai pu trouver une similarité entre les différentes sociétés écran propriétaires des logements que nous avons photographiés. Laquelle au juste? À chaque fois l'actionnaire majoritaire est Samuel Toussaint. Ok. Notre preuve, on le tient. Ça va, Detsec? Exactement. Je viens de parcourir votre transfert. Vraiment nickel. De mon côté, exactement. J'ai une bonne nouvelle. Je t'écoute. Ok, je t'écoute. Toussaint a des vues sur la présidentielle et il cherche à renforcer sa présence à l'international. Il vient à Buckingham Palace rencontrer la royauté. Si on arrive à prévenir la couronne et qu'il renonce à rencontrer ce bâtard, ça sera une grosse victoire pour Detsec et les 404. On va voir ça. Nous avons largement de quoi prouver que Toussaint n'est même pas digne de cirer les pompes royales. Mais non. Ouh, on y arrive. Comme vous pouvez l'imaginer, la sécurité du palais royal est digne, ma foi, d'un palais royal. Mais les réseaux des écuries de Buckingham Palace est légèrement plus tranquille. Essayez par là. Si on pirate le hub CityOS aux écuries de Buckingham Palace, je devrais pouvoir accéder à la salle dans laquelle aura lieu la réunion. Toussaint aura envoyé ses références avant la réunion. Je peux joindre notre preuve à la fin de ce fichier et on n'aura plus qu'à le regarder avancer, sûr de lui, et se présenter comme un imbécile flamboyant. Ce n'est pas l'approche la plus efficace, mais c'est assurément la plus drôle. Merci. Compris.
Compris. On va aller te chercher. Tu es exactement là. Et voilà. Choisir. Et voilà comment pirate. Merci. Pirater. Où est-ce qu'il est ? Piraté. À télécharger. Voilà. On y approche. Ok. On va y retourner. Pirater. Pirater. Encore pirater. Et pirater. Et siroter. Peut-être pas. Ok, traitement royal, l'épreuve. Ben voilà. Transfert terminé. Oh, fichez le camp, ou ils vous tueront à coup sûr. Oh, avec plaisir. Merci. On va quitter la zone. Il s'est demandé si gentiment. Est-ce que je peux sortir ? Ok. On va trouver la sortie. Ok, 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 ok. Jusqu'à là, c'est pas mal. Ok, ça va se passer, merci. Se rendre lieu sûr. Voilà, le corps diplomatique refusera tout contact avec Toussaint, même avec une perche cérémoniale télescopique tenue par quelqu'un d'autre. J'ai aussi glissé une carte de visite d'EdSec avec un joli logo. Ah, c'est gentil. Puisse me remercier un jour. Fabuleux. Trophée, un toit au-dessus de la tête obtenu. Passer, merci. Se rendre lieu sûr. Voilà, le corps diplomatique refusera tout contact avec Toussaint, même avec une perche cérémoniale télescopique tenue par quelqu'un d'autre. J'ai aussi glissé une carte de visite d'EdSec avec un joli logo. Ah, c'est gentil. Puisse me remercier un jour. Fabuleux. Trophée, un toit au-dessus de la tête obtenu.